D'après vous, ouais, Marcus. Les gens causent que de ça. Faut dire que pour une fois qu'il nous arrive un truc de bien, on va faire venir du monde. Écoutez, ce qu'il y a dedans vaudra sans doute une fortune. D'accord. À condition d'avoir un partenaire qui connaît des gens qui ont les moyens. Ouais. Alors, on fait équipe. Ouais, Marcus, pas de soucis. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Bordel Land. Le premier en GOTY, en amélioré. Merci beaucoup. Merci. Librement entrer au passé un séjour reposant. Information pertinente. D'après nos modèles de calcul de dangerosité, vous avez 94,3% de chances de vivre l'expérience d'une mort prématurée. Merci, Claptrap. T'es un amour. Les ennemis avec un bouclier bleu peuvent résister... Ah oui, aux dégâts électriques, exact. Point de Tolok. Ah si, c'est un peu plus loin, tout simplement. J'avais oublié cette zone. Goose. Ok, très bien. Allons-y. Arrange la bagnole. Faut que ça roule. Bonjour. Attendez, je vais aux chiottes, hein, je reviens. Merde. Toi, pas des munitions, merde. Là-dedans. Ouh, un bouclier. Ouh. Atlas. Merde. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Merci. Merci beaucoup. Un peu de chance et un chasseur de gros gibier. Très bien. On va commencer par un chasseur de gros gibier. Alors, hop, hop, trouver un appât pour le placer à l'extérieur de la caverne pour tuer Skagzilla. Tout à fait dans mes cordes. Oui, donc je disais, il n'y a pas un système de défi aussi dans l'inventaire, on va dire, dans le menu ou je sais pas trop quoi. Non? Voyez. Ah, si, voilà, c'est ça. Mise entre. Tuer 10 000 humains. Alors, confirmé, non, d'accord. Oui! Merde, il y avait des... C'est un très vieux pote à moi. Un instant! Enfin, c'est surtout un salopard qu'on avait après ma mère, tu vois? Apparemment, il s'est foutu dans les emmerdes, alors j'aimerais que t'ailles le sauver. C'est que je veux le buter moi-même, cet enfoiré. Je peux te comprendre, Scooter, je peux te comprendre. Si vous avez besoin de soins, avancez. D'accord. Titan. 36 000, hein, par contre. Hein. Feu quitte la décence des... Alors, pangolins... Ils en ont qu'un, c'est un pangolin. 36 000, ça coûte la peau du cul, hein, soyons honnêtes. Guerriero. Dégâts de corps à corps, compétence mèche raccourcie, tabassage. On va plutôt peut-être partir là-dessus. Je sais pas, on va attendre, tant pis, bah les couilles. Voilà, c'est ça que je voulais voir moi, voilà, 16 000. Six grenades, il me restera les combats rifle et les sniper rifle comme d'habitude. Ça m'a coûté tout ce que j'avais. Très bien. C'est très peu quand on y pense, tout ce que j'avais, hein. J'avais juste 100 000. Problème. Appelez, allez bas. Allons-y, APA à Skagzilla. APA placé, APA Skagzilla tué, logique. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris que la fin c'était comme ça. On fait tout le tour, vu qu'apparemment le milieu il a l'air un petit peu... chamboulé. Alors, APA... pour Skagzilla. Ça a l'air d'être dans le...
Décède. Voilà. Oui. Oui. Ah merde. Raté. Oui. Aïe. Oh merde. Ça c'était pas prévu. Qu'est-ce qui m'a fait glisser comme ça? J'ai glissé, chef. Très bien. Allez bah. L'appât est juste ici. Autant en profiter. Point, point. Point du gaspille. Point. Je sens que je vais mourir. Point. Point. Oh là 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 là. Oh putain. Ouvre bien la goule, t'as raison. Ah, Tibania, j'en ai un qui est juste derrière moi. It's a comb. Enyama. Oh, Enyama. Oh, pourquoi ça marche pas? Pourquoi je récupère pas de la santé? Ok, c'était un chargeur complet. Ah ouais, tu tires des rayons laser. Eh, après tout, pourquoi pas? Dieu merci, tu es lent. Pas tant que ça, finalement. Aïe. Tu peux arrêter. J'aurais dû me douter qu'il serait juste derrière moi, hein. N'est-ce pas? J'aurais dû m'en douter. Genre là, pareil, il est toujours derrière moi. Ouais, il est juste derrière. Ok, comment je vais m'en sortir? C'est là que le mode de feu était intéressant, vous voyez. Aïe. Allez, viens, je t'attends, moi. Aïe. C'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas non plus ce que j'avais prévu. Aïe. Aïe. Ah. Non, par contre, tu m'attaques pas avant de m'avoir attaqué, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai pris des dégâts avant même que tu me touches, c'est pas normal. Non, par contre, c'est pour me repousser à chaque fois, c'est nul. Et puis c'est de l'anti-jeu. Ok, très bien. Parce qu'en vrai, il fait pas tant de dégâts que ça. Là, je confirme, c'était mérité, hein. Ah, aussi. Là, je l'ai mérité aussi. Ok. Putain, je vais t'avoir au cac, moi. Bon, finalement, non. Et mon personnage se met à se déplacer encore tout seul. Oh. Très bien, c'est bon, ça s'est calmé. C'est pas chiant du tout, hein. Revolver, pas mal. Bombardier, évitons. Ok, c'est juste pour le. Un dalle. Moi, c'est un torg, j'avais dit. Hein. Je vais donner plein d'armes et plein d'armes moisies en fait. C'est ça qui est presque dommage finalement.
Bon, ça va faire des choses à vendre, hein, je dis pas le contraire, hein, mais... Très bien. C'est... Ah oui, d'accord, c'est ici. Je peux remonter, genre... Non. Ok. La porte est par là, très bien. J'avais pas fait gaffe. Et il y a un vendeur juste à côté, mais c'est parfait. Et des ennemis aussi juste à côté. Alors le problème, c'est qu'ils sont en train de regarder là où est le vendeur. Et que si je me fais chauffer, faucher par la voiture, je risque de prendre très très cher. Alors, est-ce que je prends coup de sang ou pas? Telle est la question. Parce que si je prends coup de sang, je vais régénérer plus de vie quand je vais tuer un ennemi. Mais là par exemple, on a pu le voir que sur le boss, c'était pas tout à fait ça. Ou est-ce que je pars directement sur du bouclier? Parce que là la santé masque, max, l'avantage c'est que je vais avoir... Ah, je vais partir comme ça, tant pis. Tant pis. Le choix est fait. Quand dans ton cœur ça fait boum. Ah mais ça... Ah non, ça marche quand je suis en furie, on est d'accord. Que ça aurait été, ça marcherait H24, ça serait pété. J'aurais de la régène constante. La philosophie de VCS. Elle est belle. Elle est belle. Plus de munitions égale. Alors le bombardier ça m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Ça non plus. Très bien. Hop, on est bon. Autolock. Alors c'est où? C'est là. Qu'est-ce que... D'accord. Donc ça, c'est fait. Faut y aller. Et quand faut y aller... qu'est-ce que tu me chies? D'accord. Bien. On va aller rendre la quête à monsieur. Il y a une ville à droite apparemment. La région est beaucoup plus grande. Grande, pardon. Mais il y a un intérêt. Vous allez voir à ce que ce soit dans cette configuration-là, c'est-à-dire un petit peu de circuit, hein. Vous avez bien vu que ça apporte les ennemis en voiture, mais pas que. Et aussi les ennemis surdimensionnés qu'on a pu voir dans l'arène. Voilà ta quéquette pour un fusil de sniper. Il est très très bien celui-là. Il est très 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 bien. Je me rappelle que je l'avais chopé niveau 50 et que c'était un fusil d'exception. Ok. Il est temps de continuer la quête principale. Bandit tué et Lucky secouru. Je crois qu'il l'appelle Lucky, hein. Oh là 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 là. Je suis l'aigle de la route. Voilà. Il y en avait un deuxième. Wouhou, ça c'était pas prévu. Voilà. L'aigle de la route étant une référence, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Il est temps d'aller sauver Lucky Luke. Est-ce qu'on y va avec les points? On y va avec les points. Allez, monte les escaliers. Putain, mais... Ok. Putain, mais les escaliers, quoi! Ça, c'est la déception, les escaliers. Il a du mal, hein. Oh, il a le coup de bol, lui. Allez, bouffe. Il est où? Ouais.
Ok, il est tout là-haut. Je peux pas aller le chercher. Ah bah donc elle a la grenade. Putain, mais ouais, mais j'ai plus de grenade. Ah. Mais t'es sérieux là? Voilà. Voilà, très bien. Et apparemment il en reste un. Voilà. Mais alors les escaliers là c'est une plaie monumentale. Quand je suis en furie je peux pas les grimper. En fait quand je suis en furie j'ai plus le QI pour grimper un escalier quoi. Débile. Débile, pardon mais là c'est... Hein, merde. Dites-moi vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Glorious Havoc, attendez. 36 balles dans le chargeur, 25 points de dégâts. Ah non, elle est moins bien que la mienne encore. Ok. Ok, très bien. Il va bien y avoir un peu plus de caisses d'armes dans le coin, non? Non, même pas. Bon bah continuons alors. Ici, il y a une caisse. Ok. Au suivant. C'est bon, vous êtes calmé? Très bien. Un Maliwan avec x4, ça fait du bien par contre à voir, hein, dis donc. Je crois que c'est le premier x4 qu'on voit d'ailleurs. Ok, très bien. Lucky! Je le tue. Dégage avant que oh merde. Allez, voilà. C'est bon. Bon, on a plus de grenades, hein, ça dit. Et on a perdu Brick. Ok, très bien, c'est quoi? Un Vladov. Dommage. Dis-moi que t'as des boucliers... Pangolin, Kedior... Et merde! Je rêve, j'ai l'impression qu'il fait exprès le jeu de pas me les donner. Non, je veux le racheter. Très bien. Et tu vends quoi en grenade? Et normalement, je suis bon. On n'avait pas les moyens. Ah bon, mais je les ai normalement les 6. Donc c'est cool. Ok, je suis encore une fois... prêt à toutes les éventualités grâce à mon équipement. Je finis de looter la zone puis après on va aller sauver Lucky. Ok, très bien. Allons-y. Ah, attendez, il y a encore des choses ici. Parfait. Excuse-moi, t'étais sur les chiottes, tu veux que j'attende un petit peu peut-être? C'est rigolo ça. Salut. Je peux pas m'asseoir à côté de toi, désolé. Je loot un petit peu ton argent, ton bonheur, ta vie. Un bouclier Maliwan, génial. Ah, alimentation du réseau voyage éclair, nice. Circuit coupe, coupe circuit enlevé. Sauvé cette crevure sur patte. Comme ça je pourrais lui défoncer sa sale gueule. Et puis il faut que je te dise, Lucky connaît cette zone mieux que n'importe qui. Demande-lui de te guider tant que je lui ai pas fait la peau. Si tu veux. Autolock. Non? Si, autolock. À droite. Ça c'est du voyage rapide. Enfin, du pseudo voyage rapide. L'autolock est ici. Hop là. C'est parti. Faut-il que je l'enlève ou que je le détruise? Marqué enlevé, donc part du principe que voilà. Prendre la place conducteur. Saleté de faucharde. Il y a une grosse. Tiens, voilà, boum.
Je vous avais complètement oublié. Soyons honnêtes, hein. Oula, le virage est tellement serré que... Et bouf! Très bien, allons-y. Oh. Non, pourquoi du plateforme? Ah, de la plateforme. Y'a rien de pire que la plateforme à la première personne. Ok, c'est bon. Je l'ai. Ça montait plus haut. Y'avait un cadeau. Y'avait forcément un truc. Touché! Oh merde, ils sont nombreux. Ils sont loin tous. Allez bouffe. Je t'ai pas tué toi. C'est bon, cette fois-ci c'est fait, à coup sûr. Ah bien, allons-y. Ouais, de la plateforme, trop heureux. Et putain. Le karma, le motherfucking karma. T'es sérieux, y'avait rien? Pardon, j'ai dit qu'il y avait rien, y'avait quelque chose. La musique, est-ce qu'elle va arrêter de s'exciter pour rien ou elle va continuer? Oui! Bonjour, je viens juste appuyer sur un bouton, ça te dérange? J'imagine que ça le dérange. Le pauvre. Et je tire sur qui je veux. Mais je suis occupé. Je crois qu'il m'avait lâché du violet quoi, j'étais... Oh non. Oh lol. Très bien. Bon, ça a été une boucherie. On est tous d'accord là-dessus, c'était une véritable boucherie. Maintenant, peut-être que... Non. Peut-être que j'allais être récompensé pour cette boucherie, mais non. Très bien. Ok. Retour à la maison. C'est parti. Yo bloc. Très bien, c'est pas prévu. L'équilibre de ces véhicules est à... laisse à désirer, comme on dit. C'est à revoir. Oh, il y a une caisse au-dessus. Oui, j'ai compris. Oui. Il faut que je mette le véhicule en dessous, non? Non? Moi, m'être trompé, apparemment. Ouais, j'avoue, comment qu'on est censé atteindre le sommet de ce truc? On peut pas, en plus, sauter de... Oui, il nous empêche de rester dessus. Wesh. Ma gueule. Ah, oh. Non, ça marche pas ici. Ah,
Non, si, non, si. Y a une caisse au-dessus, bande d'enculé. Ah, il y a du verre qui est tombé. Merde. Tenez-moi mon pognon. J'insiste. C'est à moi ce qu'il y a là-bas. Y'a pas genre un moyen de grimper par derrière, je sais pas, un truc comme ça, moi. Guerrier de la route, les durs à cuire. Nice. Fais des patrouilles. Excellent. Excellent, excellent. Comment que je monte en haut? Ça fait un peu le mec qui s'en bat les couilles, mais... Comment je monte? Ah bah, très bien. J'ai trouvé. Ah bon? C'est genre Lucky qui les donne, ou c'est... Non, c'est... Bon, c'est par là, en tout cas. J'ai réussi à trouver par où. Voilà. Réussi. Tout ça pour un sniper vert et... un fusil d'assaut caustique. Très bien. Je ne suis pas déçu. C'est faux. La guerre de l'essence, le gaspillage. Faire exploser les réservoirs d'essence des bandits. Très bien. Fermer les valves des tuyaux de le carburant autour de Lucky's Last Chance. Les fantômes. Allez explorer le site de Fouillanté pour récupérer l'artefact élémental. D'accord. Trouver les composants du revolver. Tuer les fauchards sur le circuit de course. Très bien. En voilà un paquet de quêtes. Alors, nous allons commencer par... Non, ça va, tout va se faire un petit peu dans le... dans le même ordre, en fait, parce que finalement, toutes ces quêtes sont dans cette région, et dès que je vais tomber face à quelque chose... limite, j'aurais peut-être dû commencer par... C'est une caisse d'armes au-dessus. C'est une caisse d'armes au-dessus. Comment je suis pu passer à côté de ça? Je vous vois à l'intérieur. Je vous vois avoir envie de me bouffer, mais un instant. Ça me fait très bizarre quand il a rigolé, je vois qu'il y avait quelqu'un chez moi. Ça pouvait pas être si simple, n'est-ce pas? Oh, tu sors d'où toi? Ok. Référence à Alien, non? Ça va saigner. C'est bon, vous êtes calmé? Je peux jouer tranquillement? Et ça les a pas comptabilisés. Ma gueule. Bref, passons. Statique. 12 balles dans le chargeur. C'est pas beaucoup, 12 balles. Hein. Elle est bien la mienne, hein, mais je trouverai pas mieux, j'ai l'impression. Bon, très bien, au revoir. Les petites sœurs, elles sont où? Putain, je vais pas tourner autour jusqu'à ce que... Ok, très bien, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Vous savez quoi, on va faire des tours et des tours, on va aller là où ça noircit sur le terrain. Bien, sans avoir raté un paquet, mais c'est pas grave. Raté. On va faire un tour pour les faire apparaître, un deuxième tour pour forcément. Forcément. Aïe.
Aïe. Fuck it. Comment ça, je l'ai pas eu la grosse? Je pourrais tirer aussi, cela dit. Je veux absolument les écraser, mais. Oh bah, cela dit, c'est plus efficace de les écraser, hein, si je peux me permettre. Bon, celle-là, apparemment. Pas. Guidé par une petite voix. Sympa le nom. Ok, t'es quoi, toi? Toi, tu t'envoles. Bon, j'en ai eu un paquet, là, sur le coup, là. Là aussi, d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va y avoir du loot de partout, par contre. Merci d'être venu juste devant. C'est vraiment très gentil de ta part. Ouais, ça spawn, hein. Ça spawn, ça spawn, ça spawn. Hop là. Merci. Dégueulasse, ça en met partout sur le pare-brise. Ah bah parfait, vous êtes très nombreuses. Ok. Je sais pas combien j'en ai eu, peut-être. Non, toujours pas assez. Ok, continuons alors. C'est pas. Très bien. Ça semble être un cul-de-sac, mais peut-être que ce sera quand même suffisant. Par contre, me faire spawn ça et ça. Le coup de bol. J'ai roulé dessus, on est d'accord? Ah non, touche pas. C'est fait. Le véhicule se répare, hein, tranquillement. Voilà. Voilà, encore une. Ah, je l'ai raté parce que j'étais en sprint. Tant pis, bah je l'ai eu. Ok. Maintenant, comment je sors de là? Oui. L'as du volant. Ah bon? Très bien. C'est quoi l'as du volant? Tour de piste complété en un temps record sur le Ludicrou Speedway. Ah bon? Mais t'es pas rendu compte d'être allé si vite. Faire exploser les réservoirs d'essence des bandits, pourquoi pas? Allons-y. Peut-être ça, ce sera peut-être. Je sais pas. Le plus long en fait. Mad Mel Gibson, j'avais oublié. Ah, oh, j'avais oublié. Oh là là, la grosse référence à Mad Max. Ah putain, j'avais zappé. Ah, oh, j'ai honte d'avoir oublié. Arrête. Bon, moi je vais exploser. Heureusement, il me tire pas dessus avec son lance-roquette, hein. Ils ont masse PV en plus. Maintenant de niveau 7 avec la combat rifle, c'est bien ça. Très bien, on a réussi ça. C'est pas un exploit, mais presque. Allez, venez voir papa. On va pas se cacher que je suis à moitié sourd aussi au passage, hein. Parce que c'est mes valves fermées, d'accord, très bien. Hop là. On n'a plus de véhicule, hein. On va aller en chercher un ici, mais on en a plus pour le moment.
Niveau 22, Centurion. On augmente la régène de santé. Nécessaire. La culasse du revolver, elle était là. Ok, très bien. Toutes les armes vont être, tous les morceaux d'armes vont être ici. Oh. Joli. Joli, Marcus. Pas comme ça. La 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 la. Comment je rentre là-dedans? Je ne sais plus du tout. Moi, quand je sais pas, je tire dessus. Là, y a un truc à choper. Par le caillou, sûrement. Et merde, je glisse dans un trou. Mais ça me semble être par là. Non, pas du tout. Je me trompe? Non. Non, c'est bon. Oh là, ça m'a poussé. Mur invisible! Pardon. Pardon le jeu, excuse-moi, je pensais pas t'embêter à ce point. Ouais, je m'en rappelais. Je m'en suis souvenu. J'arrive pas à croire que je m'en sois souvenu. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Ok, là il y a clairement un escalier, on va dire. Hop là, parfait. Ok. Donc cette mission là est faite. La suivante. Les valves, les réservoirs de carburant. Très bien, on va commencer par les valves. Les valves à 289 mètres. Réservoir de carburant à 219. Bah parfait, on va commencer par ça en fait. Je retire ce que j'ai dit. Autolock, on est bon. Hey, t'es prêt à y aller? Toujours. On va l'arranger, ta tire. Allez, ma tire, oh là là là. Les expressions des années 80. Ça dit, ça correspond avec l'univers de. Ah, raté. Black, ah, raté encore. Merde. Ah bah. Ah bah. Alors apparemment j'ai eu le défi aéroporté. Qui doit correspondre à cette retournée si violente. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Si si, patrouille, d'accord, ok, très bien. Où est-ce que t'es toi? Eh, hey, c'est Lucky qui te donne des missions où tu bousilles mon matériel? Moi je crois que c'est lui qui met les salopards dans mes baroudeurs juste pour que tu les fasses péter. Oh merde! Merde, j'étais sur le point de. J'étais en train de rigoler, c'est dégueulasse! Oui! Aïe! C'était pas l'idée du siècle. C'était clairement pas l'idée du siècle. Ça me fait de la régène, mais c'était pas l'idée du siècle. Il y a une grosse aide à la visée, on a pu la voir là en action quand même, c'est violent. Bon, bref. J'aurais pas dû venir ici, tu vas le payer. Parfait, parfait. Moins parfait. Allez. Non. Ah, je décède. Ah, fais chier. Fais chier. Fais chier.
Fais chier. Hé, hey, arrange ta bagnole. Fais chier. Allez, en route. Ok, on y retourne. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait pour verrouiller. C'est pas grave. Wouhou! Cette survite. Faut absolument que je me venge jusqu'au bout. Désolé. Très bien. Il en reste un là-bas. Oh, t'as bousillé des bagnoles à moi à cause de lui? Bandit ou pas bandit, c'était des avaleuses de kilomètres de première bourre. Comme sa mère. Pardon. Pardon, c'était facile. Oh. Vengeance. Boum boum boum. Boum 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 boum. Boum boum boum. Bum 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 bum. Voilà, ça t'apprendra à toi. Ok, très bien. Résolu. Ici, il y avait... D'accord. D'accord, très bien. Pourquoi Siri tu réagis quand je dis ici quoi? T'es débile. Point, point, point. Mais merde, des snipers, mais c'est pas du tout les snipers que je joue par contre hein. Par contre ça faut que j'utilise. Voilà. Ça coûte 1000, 1480, 800, 500. C'est bon. À 4000 ou à 2000, je prends, hein. je peux pas refuser autant d'argent. Hein. Ok, dans l'idéal, là, ce qu'il faudrait, c'est que je me rende à un point de vente. Clairement. Bah, il va y avoir une valve dans le coin, normalement, ici. Qui, je pense, sera juste de l'autre côté de cette zone qui ressemble un petit peu à une arène sur ma gauche, là. Je suis sûr qu'en forçant un peu, ce serait passé, hein. Il foutrait pas un peu de ma gueule, le jeu, là. Bon. Point d'ennemi. Autant pour ma gueule. Comment ça, explosive? C'est ton affixe qui me dérange. Suffixe. On les voit pas, en plus, ces saletés, hein. C'est bon, vous êtes calmé? Très bien. Putain, ça respawn. Dans mon dos en plus! Non. Là-bas. Et là-bas, il y a une tour aussi. D'ailleurs, la tour, elle est en dehors de la zone de la map. Si, c'est pas chelou. Ça, c'est pas une caisse d'armes, c'est une caisse de munitions. Tu es nul, Marcus. Oui, c'est bien, gueule autant que tu veux, mais me fais pas chier. Ah, décède. Quand dans ton cœur ça fait boum. Encore un truc là-bas. Hein. Je sais pas si c'est celui-là qu'on avait tout à l'heure, mais. Ça doit être le fameux artefact éridien dont nous avons entendu parler. Ok, par là-bas. Et oui! Ok, bon, très bien. Bonjour. Eh, ma voiture ne t'a rien fait, connard.
Très bien. Voilà. Problème résolu. Il me faut vraiment un autre bouclier, quoi. Ça va être une nécessité, hein. Parce que celui-là, il ne fait plus du tout le poids, quoi. Vraiment devenu de la bouse, hein. Ma voiture. Très bien. I. Faudrait que je tourne le bouton directement pour les quêtes, hein, parce que I. Les fantômes de l'arche. Le site de fouille hantée, c'est juste ici. Je trouve qu'il est plutôt en Y. Bah et merde. Allez, on se les fait. Attends deux secondes, voilà, merci, au revoir. Comment ça tu... Eh merde. Ça fait mal, ça. C'est pas chiant du tout, hein. Ok, c'est bon. Bref. Donc c'est pas l'artefact ici, hein. Oh putain, oui, je me souviens de son endroit. Malheureusement. J'ai pas réussi. Magnifique, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Salut. Et c'est alors que nous rencontrâmes des ennemis très particuliers. De niveau 21. Et que je ne leur fais pas de dégâts. Et bah... Bourrage ! Vous voulez qu'on se la mette ? On va se la mettre, y'a pas de soucis. Allez bien ! Allez bien, t'es où toi le deuxième ? Troisième, pardon. Voilà ! Il est beau. Il est beau, il est violet. Et en plus, j'ai du caca qui vaut pas cher. Pour moi. Ok, très bien. Cependant... C'est pas vraiment le loot qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment du bouclier. Hein. Et on en a vu pas un seul. Allez, allez. C'est pour moi. 940, c'est pas ce qu'on a vu de plus rentable. Merci. Ajoute des dégâts explosifs. C'est pas du tout intéressant. Coup de poing explosif niveau 2, coup de poing corrosif niveau 2. Bah écoute, explosif niveau 2. Eh, pourquoi se priver? C'est vrai quand on y pense. Sinon, vous auriez pas du... Non? Bon, je m'en vais, ok, je m'en vais. Pas de soucis, pas de soucis. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Je voulais juste un petit peu de shield. J'insiste. Oula, 50 minutes. On a déjà dépassé le temps... Allez, on se les fait. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et en plus, il me pète mon shield en 2-2. Hein. C'est ça le pire. Ouh. Ok. Maliwan que j'avais, un pauvre, pauvre, pauvre Maliwan. Artificier, 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 d'accord, très bien, merci. Maliwan, dalle.
Y'a pas celui que je veux, hein. Y'a pas la marque que je veux. La marque qui augmente la santé en fait. Y'a une marque qui, au-delà d'augmenter votre de vous donner un bouclier, augmente votre santé de temps. Et je l'ai pas. J'arrive pas à la trouver. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon. On est d'accord, toutes les quêtes sont terminées, on va plus qu'aller les rendre. Pour cela, il faut retrouver la voiture. On l'explose. Non. On dirait qu'on a un héros ici. Oui, c'est vrai. Oh, t'as pris tellement cher, toi, mon ami. Enfin, mon sadique. Ok, on est parti. Et yo. Bloc. Allez, accélération. Et on est bon. Crac. Ici. Très bien. Boum. Qu'est-ce que tu veux? Boum. Qu'est-ce que tu veux? Boum. C'est un Maliwan, hein, c'est... Ok, level up 23. Toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tue un ennemi, je regagne 8% de ma santé. J'imagine pour un total de 12% vu que... Non, pardon, de 10%. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je confirme. Salut. Tiens, cadeau. L'apocalypse des bandits, Mad Mel tué, parlez à Claptrap. D'accord, bah écoutez ça, on le fera dans le prochain épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures dans Bordel Land. Salut les gens, et yo!